Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi ce temps de merde. On est le vendredi 15 septembre 2017 et je pars à Limoges pour aller faire l'élection de Miss Limousin 2017 aux côtés de Miss France et de Sylvie Tellier. Wouhou, putain mais que c'est trop bon. Et après je pars au Mans. À 2h du matin, je pars au Mans pour les 17h du Mans. Sur le circuit Bugatti, il y aura la patrouille de France, il y aura Star 80, il y aura DJ Fano avec qui on va, il y aura un show mécanique de ouf, il y aura un putain de feu d'artifice, parce que s'il fait ce temps-là, ça va être un petit peu la galère, mais voyez le truc, c'est juste un truc de ouf quoi. Ce soir, on part au Mans, donc là, je vais enquiller une première journée, donc là, il est quelle heure? Il est 9h. Je pars à Limoges pour aller filmer les répétitions, aller installer mon matériel pour aller faire préparer un peu tout ça parce que j'ai des vidéos à diffuser en plus pendant le gala, donc il faut que je vois si elles marchent bien, on a un vidéoprojecteur à mettre en place. Waouh, ça va être juste extraordinaire et ce soir je vois Miss France encore, une nouvelle Miss France, Alicia Eliès qui est Miss France 2017. Et puis voilà les amis, donc écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout à l'heure. Nouveau vlog, je pense qu'il va arriver avant le vlog de l'Electric Park parce que j'ai pas réussi à le monter. Mais ça va être extraordinaire, donc je vous dis à tout à l'heure avec les Miss. Bye! Ça va être énorme! Je vais en profiter pour vous parler d'un truc en fait sur ma société VM Prod. Je vais probablement la dissoudre très prochainement parce que je suis en train de me remettre en question sur plein de petits trucs. C'est-à-dire que je vais réfléchir sur le fait de peut-être juste mettre une image de marque. Je vois que cette image de VM Prod, en fait, c'est une société de production et je m'aperçois que je bosse beaucoup avec je bosse beaucoup avec les sociétés de production et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de sociétés de production qui existent et que malheureusement je ne peux pas m'acheter tout le matériel que je veux. Donc j'ai pensé à dissoudre ma société VM Prod, continue à bosser dans la vidéo, mais bosser en fait en nom propre. C'est-à-dire que je vais bosser je vais créer cette image de Vince Movies. Je vais faire évoluer cette image de Vince Movies parce que tout le monde me connaît sous le nom de Vince Movies, mais le nom VM Prod un peu moins. Donc ça peut être une occasion justement de créer un personnage par rapport à ça et j'y ai pensé hier, donc c'est juste extraordinaire. Je vais le mettre en place pour justement évoluer plus grandement et il y a plein de surprises qui arrivent, donc voilà, je vous dis ça plus tard. Je vous en reparlerai quand tout sera vraiment officiel. Pour le moment, elle n'est pas dissous. Je continue à bosser pour VM Prod, mais du coup, je suis en train vraiment de poser des questions sur ça. Je vous en parlerai plus tard. Donc, je vous retrouve tout à l'heure à Miss Limousin, donc à l'Opéra Théâtre de Limoges. À toutes. Voilà, arrivé au théâtre de Limoges. Donc là, on est devant le théâtre. Donc, du coup, on va rentrer maintenant et on va voir un petit peu la salle, comment ça se passe, si c'est beau, si c'est grand, si c'est magnifique. Et puis voilà. Là, je suis au théâtre, je suis avec Maëmma. Coucou. Hello, Miss anciennement Limousin. C'est ça, une vieille. Voilà, une vieille intérimée. Et donc voilà, on est trop bien là. Oh, putain, c'est beau. T'as vu ça? Oh my god, trop trop bien. Donc voilà, on va décharger tout le matériel et puis après, en avant gagnant. C'est quand même pas mal, hein. Hello. Salut les filles, je fais un tuto beauté, alors aujourd'hui on est avec... Tu peux éviter de parler un peu fort s'il te plaît? Waouh. En fait, là, je fais FaceTime avec Poitou et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah oui, il y a Saint-Pierre-et-Miquelon aussi. Oh, mais je connais pas, donc bonjour Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre, voilà. Bonjour. Donc là, il y a toutes les mythes en fait, voilà, c'est bon, voilà. Mais elles sont périmées là. Ah bah elles sont périmées depuis longtemps, oui. Ouais, on est périmées maintenant. Ah c'est trop bien, quelle belle salle. Qui t'attend, entre guillemets, sinon ouais. C'est un...
c'est bon, je sais que c'est ce que j'ai à faire, après c'est bon. Alors là, je suis avec un grand humoriste, un grand animateur, un grand présentateur, un grand chanteur qui s'appelle... Laurent Gérard. Merde. Donc Philippe Proche, ça fait 3 ans que je le connais. À chaque fois, on se voit sur le gala, donc c'est... très bon imitateur. Voilà. Merci à tous. Voilà. Là, voilà, le gala va pas tarder à commencer. Il est 19h30, donc ouverture des portes dans pas longtemps. Les gens vont rentrer, donc je vais filmer tout ça en timelapse pour que ce soit extraordinaire. Là, j'ai mis ma caméra. Donc je vais déjà l'allumer et puis voilà, on a le gala de Miss Limousin qui arrive. J'ai vu Sylvie Tellier tout à l'heure, j'ai vu Miss France. C'est juste extraordinaire, c'est ce genre d'expérience. On est dans un théâtre qui est juste magnifique, qui est juste trop beau. Donc là vous pouvez voir là-bas la scène. Là ça va être extraordinaire et puis je vous fais partager encore tout ça en vidéo. Et puis demain c'est direction Le Mans. Donc là ce soir un petit after work. Donc je vais essayer de faire une vidéo, peut-être une petite photo avec Miss France et Sylvie Tellier. Et puis voilà, donc je vous dis à tout à l'heure les amis, bye. Ben voilà, c'est fini, alors je suis avec Martin, salut Martin. Salut. Je suis avec Emma, salut Emma. Salut. Et là on est à l'after work. Ouais, pour picoler. Un petit peu de champagne, hein. Donc on a notre nouvelle Miss Limousin. Qui n'est pas là encore. Qui n'est pas là encore. C'est juste hors norme, j'adore ce genre d'expérience, c'est vraiment trop bien. On est vraiment trop bien. Donc voilà, j'espère faire une photo avec Miss France comme ça. Mais ouais, écoute, tu m'étonnes. Avec Sylvie surtout. On attend tout ça. Hein. Chers amis, voilà, c'est fait. Oh my god, Miss Limousin 2017. C'est fait. On a réglé cette histoire depuis un an, voilà. Que dire de cette soirée? Vous avez vu à travers ces quelques images que c'était juste extraordinaire, que ça a été une expérience encore de ouf, de revoir toutes ces candidates, de revoir toute cette équipe, de voir Sylvie Tellier, de voir Miss France. Eh ben les filles, bisous, à bientôt. Ça marche, portez-vous bien, ciao. Merci. Voilà, ça c'est les Miss. Donc c'est juste extraordinaire de revoir toutes ces personnes-là, de participer à des événements comme ça, parce que je fais de très très belles choses grâce à ça. Je me rencontre des personnes assez connues, je rencontre des personnes assez imposantes. Il y a vraiment des partenaires, c'est toujours synonyme de rencontre, ce genre de captation. Et puis je prends un plaisir à filmer, oui, effectivement, des Miss, quoi, des filles qui vont défiler, qui vont peut-être, on ne sait pas, l'une d'entre elles sera peut-être Miss France, mais qui va déjà concourir pour Miss France. C'est juste extraordinaire de pouvoir s'entendre comme ça avec toutes ces jeunes femmes, de s'entendre avec toute cette équipe et de, voilà, de faire de belles images, de participer à ce bel événement. J'adore. Et là voilà, il est 1h du matin, je vais prendre la route là je prends la route pour rentrer du coup à Brive. Je devais dormir à Limoges et partir. Enfin je devais partir de Limoges directement et puis finalement je vais aller dormir un peu à Brive, comme ça je vais décharger tout mon matériel et puis demain matin à 5h on va prendre la route pour Le Mans. Donc ça va être très 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 long également. ça va être long parce qu'il y a un gros week-end très chargé qui s'annonce pour changer. Je pense que je vais vlogger aussi demain, je vais faire tout ça et franchement, waouh, merci la vie, merci pour tout ce que la vie m'apporte, de toutes ces rencontres, de toutes ces occasions, ces opportunités de faire de belles choses et ça fait tellement plaisir, ça fait tellement chaud au cœur. Et là ce soir j'ai eu un remerciement d'une personne à qui j'ai fait gagner 2 places, qui m'a identifié dans la photo de sa fille avec Miss France et qui m'a dit merci Vince Movies, grâce à toi. Donc c'est un immense plaisir et vous pouvez pas vous imaginer le bonheur que c'est de faire partager ça aux gens et de leur donner, voilà, de à travers des images, à travers juste des paroles, des échanges. Ça fait tellement plaisir et je suis tellement heureux de faire ça. Donc en tout cas les amis, je vous fais de gros bisous pour ce vlog là.
Je sais pas si je ferai le vlog en deux parties ou si je ferai le vlog à la suite. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine, chers amis. Bye.